Dans ses rebonds, relancé vite par Charlie Combeau. Kylian. Bien joué, bien joué, bien et joué. Charlie qui attaque au cercle et qui va scorer les deux premiers points. Peine à 2 mètres. Et quand on met Rémi Lesca plus Kylian. Bien joué ça, oh, bien joué. C'est magnifique. Le premier jeu en triangle. Le premier commence à monter tout doucement. Ouais, c'est une belle salle qu'on a ce soir. Bien joué, bien joué. Oh, tout bien en joué. Force. Il a réussi à jouer en puissance contre Ivan Mbaya. Nouvelle possession du côté du PV86 avec Lovro Mazaline. Oh là là, c'est propre. C'est propre ce qu'il fait. Il fait ça, Lovro. Bien joué, Ivan Mbaya. Oh, il va y aller en puissance. Oh, et cette fois, il va. Ouais, il va lui montrer que lui aussi est capable de jouer des coudes. Sur le ballon rendu au PV86. Quelle défense. Il y a un 3 contre 2. Il faut marquer là. Eh bien joué, Kevin Mendy. Qui score et la salle qui exulte. Encore joué pour Lovro. 5 secondes sur la possession. Ouais, Lovro, le classique. Ou alors c'est le PV86 qui défend très bien. Et cette fois c'est Manuel qui marque à 3 points. Manuel qui a déjà mis sur 3 points. Et cette fois 2 points. Le rythme est très très bon. Il fait du bien là. Ouais, il remet. Il y avait un duel aussi entre Charlie et Rémi Lesca. Rémi Lesca ouais. À 3 points. Et c'est là où on voit toute son expérience. Et c'est un 8-0. Il va être surveillé. Sur ce game 1, puisqu'on est au game 2. Sur son Redford, sur son premier tir, Marcus Redford. C'est son match à Marcus, on l'a dit. Kendall Manuel à 3 points. Oh, il se pose pas de questions. Il est en feu, Kendall Manuel. Il se pose pas de questions. Attention, oh là, il va prendre le tir. Eh oui, il va prendre le tir. Bien sûr qu'il prend le tir, Marcus Redford. Faut pas lui donner un centimètre. Chambre. Marcus Redford. On le sent bien, on le sent bien, on le sent bien. Marcus Redford. 8 points de suite pour Marcus Redford. Jonathan Jeanne. Jonathan Jeanne. 2 plus 1. Celui-là il est monstrueux. Matteo qui va le jouer. Rémi, il est à 3 points. Oh, oh, il est à 2 points, il est à 2 points, mais. À 2. Oh, oui, quelle défense, Marius. Quelle défense de Marius Chambre. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Jim Seymour. Bien défendu. Bien joué, Jim. Bien coupé, bien, ça. Bien, Jim. Sa petite main gauche. Oh, attention, là, alors, il y a un 2 contre 1. Bien, oh là, celui-là, il est... À force de trop anticiper les passes. On trouve des solutions côté PV86 d'Argentin à 3 points. C'est dedans. Et pour l'instant, la réussite à 3 points. Là, par contre, il va y avoir une différence de taille entre Kevin Mendy et Manuel. Et cette fois, il va le faire au métier. Kevin Mendy qui a contourné Manuel. Trégul qui a joué son pic là avec Jeanne. Oh, bien joué. Et derrière, il est tout seul. Ouais. Jonathan, il faut faire cette couverture là, Alex. Jonathan Jeanne à 3 points. Il est capable de shooter. Jonathan Jeanne. Un autre, ça repart. Ça court beaucoup plus hein, du côté de Tarbes-Lourdes. Rose à 3 points, oh. Attention. Et ouais, tout de suite temps mort pour essayer de couper le rythme de l'Union Tarbes-Lourdes. C'est Emmanuel qui repasse par Jonathan Jeanne à 3 points, il vient d'en mettre un et il en met un deuxième. Il va falloir vraiment défendre son shoot. Il est un peu long, filiforme et... Bien joué ça. Bien suivi par Ivan Lourdes. Alors j'ai l'impression que c'est une 3-2. Bien joué ça. Oh, faut pas le manquer. Ouais, c'est bien rattrapé par l'ombre Mazaline. Lobé là à l'intérieur face à Jim Seymour. Oh là là, c'est bien joué. Oh, N1 en plus. Allez, dure cette faute là pour... Quelle finition. Naïdong qu'on a peu vu en début de match. Il va aller au bout. Oh, et oui, c'est scoré. Bien joué forcément en rapidité. Charlie, de toute façon, ce soir, il est et d'une hyper rapide et de deux, il ne part qu'à gauche. Bien sûr non, faut aller au bout. Faut aller au bout. Celle-ci, il y va, Kevin Mendy, et il marque ce panier. Et on est retrouvé nos 8 points. Kendall Manuel à 3 points. Oh, et on le sait, il a la réussite aujourd'hui. À peine le. Pour bien jouer ça, c'est magnifique. Kevin Mendy, mais quel vista. Quel vista d'Alexis d'Argenton. Oh, bien joué, bien joué, sa belle passe pour Charlie Pontos, pour Alexis d'Argenton. Oh, il est loin. Oh, aïe, quelle adresse. Humour, je sais que tu peux le faire. 57-51. Oh là là, oulala, va falloir shooter. Oh là là. Oh, buzzer. Qui est rebond pour Lovro Mazaline. Et en même temps, on a l'impression que...
Oui, bien ouais, joué. Bien joué, Lovro. Bien joué. Que le PB. Alors, je crois si c'est à Marcus Redford notamment. Il va pouvoir jouer face à Enine. Donc à 3 points, attention Redford. Et oh, aïe. Énorme. Oui. Attention. Il est en train de le faire danser, il fait danser Lobela. Mais c'est Danse avec les Stars ce soir avec Marcus Redford. Bien joué. C'est magnifique ce que fait. Pourrait tenter de revenir et gagner en deux matchs. Oh là là, bien joué de la part de Lobela. Lobela qui est revenu aussi sur le parquet. Oui, bien joué. Jim Seymour qui va jouer, qui va remonter. Cette fois, qui va se faire sa place, Jim Seymour. Attention, ça va aller haut, ça va aller haut. Et Julien avec Gouffort. Mathéo Lega qui défend sur Kendall Manuel. Là, il a du travail. Attention, Jubilo à 3 points. C'est manqué, rebond Nikolić. Pas d'adresse de son côté. Ouais, panier pour Nikolić. C'est bien récupéré. Mais à Lourdes, on connaît les miracles. Et c'est ça. Et D'Argenton qui s'arrache au rebond offensif. Il y a 3 points. Non, c'est N9 long. Il y a 3 points. Ça partait bien, ça. Allez, jolie cette action. Oula. Oula. J'ai cru que Mathéo allait aller au contre. Et Jim Seymour. Et rien. Il peut rien lui arriver aujourd'hui, Jim. On retrouve Julian Gouffort avec D'Argenton. Jolie petite passe de Julian. Et il va plus haut. Air Martinique va. PB 86 ce soir. Quel professionnalisme. Ah bah oui. Oh là là. Oh là là. Belle envolée. Rebond en haute altitude là. Et il est parti mettre ses 2 points. Allez, Jumeau lui. À 17h, la belle de ce quart de ce 8ème de finale. Si vous voulez voir des 3 points de Mathéo. 6 secondes. Mathéo Le Gatton. Et Van Mbaya qui lui aussi. Alors malheureusement, Mathéo Lega à 3 points, c'est manqué, rebond Mbaya, c'est marqué. Et c'est la fin du match, victoire 100-69 pour Poitiers qui se donne l'opportunité d'une belle. Rendez-vous dans 48 heures, moins de 48 heures.